Non, mais tu changes souvent Je... de surnom. Oui. C'est des surnoms qui n'ont absolument aucun sens. C'est oui, c'est vrai. Genre mon os à moelle. Non, mais c'est vraiment des trucs comme ça. C'est des trucs qui n'ont qui sont Non. absurdes. Bonjour Gala, je m'appelle Hugo Clément, je suis journaliste. Bonjour Gala, je suis Alexandra Rosenfeld et je partage la vie de cette personne. Malgré elle. Malgré. Alors, notre première rencontre, c'était à Fort Boyard en 2018. On s'est retrouvés dans la même équipe grâce à Valérie D'Amido, qui nous connaissait chacun de notre côté. Et puis on a eu un coup de foudre à Fort Boyard. Elle a été vachement impressionnée par mes capacités sportives et physiques. Oui, c'est ça, il a tout dit. Je suis vraiment tombée sous le charme dès que je l'ai vu. En fait, on arrive la veille et nous, on a passé la nuit au casino à boire et à jouer. Comme on était content de se rencontrer, qu'on n'avait pas envie d'aller se coucher. On n'avait pas envie de se quitter. Voilà. Donc on n'a pas dormi de la nuit. On est allé jouer au casino, à la roulette. On a perdu. Combien de temps avant le premier baiser? Oh, bah, c'était rapide. Hein. Bah, avant même le tournage. Pour se dire au revoir après notre soirée au casino, on s'est fait un petit bisou. Ouais. Tout petit. Toi, tu m'appelles ma vie. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Moi, je l'appelle le moins possible. Sans déconner. Pourquoi j'ai accepté cette interview de nouveau? Je m'en rappelle plus. Moi, largement, moi je suis assez bordélique, j'avoue. Je suis pas du tout le genre à faire le lit, par exemple. J'ai jamais trop compris l'intérêt de faire le lit pour le défaire le soir. Moi, je ne peux pas sortir de la chambre si j'ai pas fait le lit. Ouais. Je suis surorganisée. On en a eu envie au même moment et ça s'est fait assez rapidement, finalement, parce qu'on était ensemble depuis quoi? 2 ans? Ma grande fille a 13 ans. Avant d'être avec Hugo, je voulais plus d'enfants, je voulais plus de partenaire, sauf le week-end peut-être, mais je disais que je voulais être avec quelqu'un plus âgé, en tout cas pas un jeune. En fait, j'ai fait tout l'inverse. J'ai pris un plus jeune qui travaille à la télé et j'ai fait un enfant. Toutes les barrières ont sauté les unes après les autres parce qu'on s'aimait. C'est un très bon papa. L'opiniâtreté. Si je devais piquer une qualité à Alexandra, ce serait ça. Elle lâche jamais le morceau, elle défend son truc jusqu'au bout, elle se laisse pas déstabiliser par les épreuves. C'est fort. Tu n'as peur de rien. T'oses parler de tes combats partout, même si ça dérange, avec tout le monde. C'est assez fort parce que c'est quand même une qualité assez rare. Merci. On est tous les deux sportifs. Moi, j'ai toujours fait du sport. De 8 à 18 ans, j'ai fait de l'athlétisme, donc je suis habituée à faire du sport. Et aujourd'hui, on fait du sport tous les deux. On fait de la piscine ensemble. Ouais. On fait du vélo ensemble. Elle était jaloux la dernière fois qu'on était à la piscine, quand même. Ouais, moi, je suis vraiment pas jaloux. C'est pas du tout un trait de caractère que j'ai. Sauf samedi dernier. Mais bon. Oui, ben, ça dépend des fois. Voilà, on m'a dit que je nageais bien. Non, mais pas du tout. Et non, après, mais... il était un ange. Non, mais n'importe quoi. Si, mais je nage bien. Oui, tu nages bien. Mais, Non, j'étais pas jaloux. Ça, c'est... Toi. Ouais, ça, c'est moi. Moi, je suis très, très mauvais joueur. J'ai beaucoup de mal au jeu à accepter de perdre, en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux où presque tu veux plus jouer avec moi parce que je suis trop mauvais joueur. Oui. Quoi comme jeu? Tous. Je suis désolée, mais c'est vraiment pas un plaisir. Je viens de sortir avec Vincent Ravalek et Dominique Mermoux une bande dessinée qui s'appelle Le Théorème du Vaquita, dans lequel on parle de notre rapport aux autres animaux, de la place qu'on occupe en tant qu'espèce, de pourquoi on a besoin de la biodiversité pour vivre en bonne santé sur cette planète.